Salut tout le monde, c'est Vals. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première écoute d'un album qui s'appelle Électron Libre Volume 2 de Ice MC. Et aujourd'hui, on va s'écouter ça. Donc, c'est un mixtape qui comporte, ou un album comme vous voulez, qui comporte 16 morceaux. Le précédent opus était Électron Libre Volume 1. Ice MC, il a fait différents albums. Donc, L'Or des Rois, et aujourd'hui on va s'écouter son dernier album qui est sorti aujourd'hui. Donc vous pouvez le choper sur Spotify ou Deezer, les liens seront dans la description de toute façon. Je vous précise que ce rappeur, je le connais très bien, je le suis depuis son dernier album à des années-lumière avec son frère Volteface. Donc je connais un peu les derniers morceaux qui sont sortis sur sa chaîne YouTube. Donc là on va commencer par le premier morceau qui s'appelle Curriculum. Et je le connais déjà parce qu'il l'a sorti il y a un bout de temps. Donc c'est parti, on va se le... Dis-moi de technologie, dis plus d'argent sale. On en a vu des extincteurs tomber des fenêtres. On mettait des seaux aux poubelles pour taper les pompiers dès leur arrivée. On vivait sur un coup de tête. La première fois que j'ai fumé du béton, j'étais minot, t'as même pas idée. C'est bien. Alors dites-moi tout. Voilà, donc je suis à la recherche d'emploi. Ouais. Voilà pourquoi je suis passé par votre boîte. Et vous avez des diplômes? Non, j'ai pas de diplôme. Ouais. Mais je suis. Ah, mais ça, parce que là-bas, plus tôt, t'es plus riche sur tout ça, tu récupères. Des hauts et des bas. Des bons, des mauvais moments. Ouais. Alors pour le premier morceau, ma conclusion, c'est un très beau morceau. Déjà, ça retrace en quelque sorte la vie en général du rappeur, donc Ice MC. J'aime beaucoup sa façon dont il rappe continuellement, c'est-à-dire aucun refrain n'est fait. Et entre chaque couplet, il met des dialogues qui sont très bien, je trouve ça très bien, c'est très bien intégré au son. Et je trouve que ça a un côté un peu sympa. Donc c'est parti pour le deuxième morceau, Young Boss. Donc voilà, c'était Young Boss. Donc ce titre est vraiment, vraiment lourd. Moi qui n'ai pas un professionnel du rap, hein, je vous le dis tout de suite, tout ce qui est rythmique ou même instru derrière, je m'y connais rien. Mais c'est vrai que le piano fait bien ressortir la musique. Et même, comme on a l'habitude avec ce rappeur, il rappe très vite. Donc il a un flow, il débite un flow, mais vraiment important. Et ça, franchement... Dans ce morceau, on l'a vu sur le premier couplet et sur le troisième couplet. Et franchement, il a géré ce son-là. Donc maintenant, on va passer au troisième titre, Le Bon Chemin, featuring Volteface, donc son petit frère. Est vraiment bien. Je trouve qu'il a un côté très joyeux niveau mélodie par rapport aux deux précédents morceaux qu'on a eu. Et franchement, il est plutôt bien. Ça parle en fait d'un mec qui a fait un mauvais chemin, qui est dans le mauvais chemin et en fait qui perd un peu d'oseille ou qui n'a plus d'oseille. Et en fait, il va essayer de rechercher son oseille comme il peut, en galérant tout simplement. Et franchement, je le trouve très bien. Le seul souci que je peux mettre, c'est la répétition du refrain un petit peu trop souvent de Volteface. Mais sinon, les couplets sont vraiment parfaits. Franchement, c'est un très bon son. Donc on va passer au prochain son, quatrième son de l'album qui s'appelle Merci. Je vous préviens que je le connais déjà. Ce son est toujours aussi lourd, même si je l'ai écouté une trentaine de fois, il est toujours aussi lourd, il est très très violent sur les paroles.
Déjà, il parle beaucoup de respect. Et même, il est très très violent sur les paroles. L'instru est monstrueuse pour moi. Franchement, c'est un son que je valide. On va continuer avec le cinquième morceau, Jeunesse enflammée. Vraiment un petit son que j'aime bien. Déjà, il est très ouvert niveau, je pense, auditeurs. Ceux qui n'écoutent pas du rap, ils peuvent aimer. Ça parle beaucoup de filles à l'intérieur, de jeunes, de quartier, etc. Franchement, c'est un bon petit son. Je pense qu'il va tourner dans les radios. Franchement, j'aime bien. Donc, on passe au prochain son qui est le sixième qui s'appelle Eto. Ce son est juste énorme. Le couplet qu'il fait à l'intérieur, franchement, est juste incroyable. Il parle d'un double visage qu'il a, mais surtout, il montre de quoi il est capable. Il dit que, il sera toujours là pour le rap, que c'est pas la hauteur qu'il a dans le rap, niveau lyrics, etc. Franchement, c'est un bon petit son aussi. Le couplet est méga lourd. Pour le moment, ça reste un de mes meilleurs sons. Donc, on passe à la suite avec le septième son. Weekend featuring Joker, donc celui-là aussi, je l'ai déjà entendu. Qui dirige l'équipe à la match tous les jours, c'est le week-end. Ken, hey, bébé, baisons tout le duit. Ken, hey, chaque jour, la semaine est un putain de duit. On n'a fait que te tromper lorsque j'étais à tourner. Je voulais tout pour la vie, les étoiles que je préfère. Donc, après tout, pareil, les jours de congé. Le featuring avec Joker est vraiment très intelligent. Parce qu'en fait, il mélange bah, le kickage de comment dire, d'Ice MC et un peu le côté love posé de Joker. Et ça fait un mélange super bien. Donc ce morceau, en fait, il parle en quelque sorte que ils ont tellement bossé que maintenant, pour eux, la semaine, ils veulent que ce soit un week-end pour s'amuser toute la nuit ou toute la semaine, pour s'amuser toute la semaine et pour aucune prise de tête. Donc fumer. Fumer, baiser, etc. Et ce morceau est très intéressant et je l'apprécie toujours autant. Et on passe au huitième son, c'est terminé, que je connais aussi déjà. Je connais plein de son chansons parce que je le suis de loin. Que toutes ces vocales ne peuvent pas rivaliser. Tu m'empêches de dormir le soir, je veux te marier. Moi qui voulais juste une deuxième chance, tu m'as dit même si je n'ai plus ton temps, je monterai plus jamais dans ta peau. Donc c'était c'est terminé, franchement. Toujours aussi bien, hein, comme toutes ses chansons, enfin, son album est plutôt bien, bon, on va revenir à la fin. Cette chanson est un peu plus lover, donc c'est un peu de la variété, donc comme je vous ai dit, ça s'ouvre à toutes les personnes qui aiment bien la musique, ils peuvent aimer ça. C'est un son très posé, donc il parle d'une fille, parle au nom d'une fille en disant que il a fait des conneries et la fille, bah, tu toucheras plus jamais mon gloss, c'est terminé, voilà. C'est pour dire que la meuf a rompu avec lui et qu'il pourra plus jamais revenir avec elle, tout simplement. On passe au neuvième son, je t'aime, moi non plus, hashtag JTMNP. Mais je te hais, c'est l'ironie du sort. Oh, j'ai beau jouer le beau des cœurs, ce soir on dit nos chansons dans les plus beaux décors. J'ai refusé de nourrir ma vie de tes fleurs, t'as le plus beau des visages et le plus beau décor. Les remords. Donc en fait, je t'aime moi non plus, en fait, c'est bah, en quelque sorte, on doit se mettre dans la peau du personnage. Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'efforts, comme il dit, quelqu'un qui a mis sa carrière plus en avant que la fille. Et au final, bah, la fille a décidé de rompre avec lui et donc bah, de plus donner contact. C'est comme c'est une musique de lover, comme celle s'est terminée. Et au final, il regrette d'avoir mis sa carrière en avant et il lui dit bah,
qui fera des efforts à l'avenir, etc. Donc rappelle-moi, etc. Et à la fin du morceau, il nous dit, voilà, si j'ai créé cette musique, c'est pour vous, donc rappelle-la, fais le nécessaire. C'est vraiment quelque chose de... Il a voulu nous faire passer un message à propos des filles qu'on ne tient pas ou qu'on met de côté à cause de nos carrières, de nos potes, etc. Et c'est vraiment un bon petit morceau. Donc on passe au 10e morceau. Donc on est à peu près vers la fin de l'album. Il ne reste plus que 6 morceaux. Et c'est Codéine. Donc c'est parti. Waouh, ce morceau est très 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 lourd. Franchement, l'instru est monstrueux, il kick comme jamais. Franchement, elle est énorme. C'est en fait, quelque sorte, il est pas bien, donc il boit, il boit, il boit, et il oublie sa meuf à côté alors qu'elle est à côté. Il oublie les souvenirs avec elle parce qu'il est pas bien, quoi. Et franchement, c'est juste énormissime, ce morceau est juste monstrueux. On passe au 11e morceau, Vatos Locos. Waouh, ce morceau est fait pour s'ambiancer carrément. C'est un morceau pour s'ambiancer de ouf. C'est un côté un peu espagnol dans la rythmique, etc. Et même, je crois, si je me trompe pas, je suis désolé si je me trompe, il dit quelques mots espagnols. Mais franchement, c'est un son de boîte de nuit. C'est un son qui est ambiance. Franchement, il va faire un ravage dès qu'il va sortir, je le sens. Franchement, l'instru est super bien construite aussi. Donc on passe au 12e morceau, Haute Sphère, feat. Ariston. Je connais déjà ce morceau et je peux vous dire qu'il est très... Je ne mérite ni médaille ni prix Nobel de la paix. On a survécu dans nos ghettos, mais bon, c'était pas la pègre. Gagner honnêtement sa vie pour devenir quelqu'un d'intègre. T'es vite calmé quand ton poteau se mange une balle dans la tête. L'époque a modifié la définition du mot lâcher. On rentre bourré quand nos mères se lèvent, prépare le fagin. Et si les frères prospèrent, je resterai seul. Depuis petit gosse, un Dans ce morceau, Ice MC, il a voulu passer un message. Il a voulu parler en fait de la société d'aujourd'hui, de la société qui se passe entre les cités et la justice, donc les forces de l'ordre, etc. Même ce qui se passe en ce moment, ça fait un rapprochement énorme avec ce son. Donc ce qui se passe en ce moment, les violences policières. Il a voulu faire passer un message, donc assez fort dans les couplets. Et Aristone, dans ses refrains, il fait un effet un peu planant, comme quoi on peut se couper de tout ça, comme quoi on peut s'évader, on peut prendre le large. Franchement, c'est un très très bon son qui dit beaucoup de vérités que très peu de rappeurs disent ou même abordent dans le sujet du rap. Et franchement, c'est un très bon son. Le 13e son, Rivière de l'âme, featuring Lise. Oh voilà. Donc je la connais pas, on va voir ce que ça donne. Destin, on prend la mer en pleine nuit sur une barque comme la rosée du matin. Les larmes que l'on perd s'empêchent nos cœurs de faner, remettre en question ce qu'on aime. J'aurais beau leur dire en latin, mon regard parle de lui-même. J'ai beau faire mon baratin, j'en frissonne jusque les filtres. Et j'ai choisi d'être droit, sincère, loyal. Alors voilà, c'était le son. Alors je suis pas du tout fan de ce son là, ça fait très variété française. J'aime beaucoup déjà les couplets qu'il a posés à SMC, mais il n'y a aucune utilité dans ce projet. Tout au long, c'était du rap, etc., mais du rap assez noir ou un peu lover. Mais là, je sais pas ce qu'il a voulu chercher dans ce featuring, ou en tout cas dans cette chanson,
Mais dans l'album, je trouve qu'elle n'a pas sa place et je n'aime pas du tout. Je trouve aucune utilité. Elle chante très bien, la meuf Lise au Vola. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y a aucune utilité dans ce projet de rap. En tout cas, ça montre que Ice MC sait tout faire dans le rap. Enfin, dans le rap. Il sait tout faire dans la chanson. Ça montre bien qu'il sait tout faire. Mais dans ce projet-là, ça passe pas. Franchement, pour moi, ça passe. Donc, on va faire avec le 14e son Johnny Hallyday. Donc, pourquoi le nom? Je ne sais pas. On va voir ça. Donc ce son dure pas très longtemps, il dure que 2 minutes et franchement c'est du lourd, moi j'aime beaucoup. En fait il fait une référence quand il marque le nom Johnny Hallyday dans le titre, c'est qu'il dit même dans les paroles qu'il va tenir plus longtemps que Johnny Hallyday, donc aujourd'hui Johnny Hallyday est assez vieux et en fait encore de la scène, et il dit que lui à son âge il fera encore de la scène et il est vraiment très lourd, il kick comme un malade. Franchement, j'adhère. Donc c'est reparti pour le dernier, l'avant-dernier morceau de l'album Electron Libre Volume 2 ou Electron Libre 2. C'est Young Biko 4 et je connais déjà ce morceau. C'est l'un des morceaux de la série Young Biko. Donc il y a eu le 1, le 2, le 3 et il y aura sûrement un 5. Mais là, c'est Young Biko 4. Et franchement, il sait tout faire. Et franchement, ce morceau est plutôt lourd, hein. Ses couplets, ils sont juste énormes. C'est un peu, on va dire, comment dire, le titre de l'album, vu qu'il dit électron libre, pour dire qu'il est instable et qu'il sait faire toutes sortes de musique. Et il peut kicker, faire plein de morceaux qu'il veut. Il va dégommer tous les rappeurs dans les alentours. C'est un très bon morceau. On le reconnaît bien dedans. En tout cas, bravo à lui. Et voilà, on finit sur le 16e morceau de l'album qui s'appelle Club. C'est parti. Cette chanson, je pense, pour résumer, quand il dit le club, je pense qu'il parle pour sa carrière de rap. Donc il dit qu'il est coincé dans ce club qui est sale, répugnant, etc. Mais qu'il veut quand même rester. Donc je pense que ça fait référence un peu à la carrière de rappeur. Il dit que quand il chante sur scène et qu'il revient après le concert, il est toujours seul dans le club. Donc je pense qui fait un peu référence à sa carrière, au rap, donc la carrière de rappeur. Et franchement, c'est un très bon son pour conclure l'album, j'aime beaucoup. C'était tout pour la première écoute de l'album Electron Libre Volume 2. C'est un très bon album, beaucoup de variété. Bon, il kick beaucoup, mais beaucoup. Dans toutes ses chansons, il kick. Mais il y a beaucoup de variété. Ça peut passer, comme on a dit, de la variété espagnole un peu ambiancée à la chanson de Lover. C'est très bien construit, l'album, il est très bien construit. Il y a des morceaux sombres comme des morceaux joyeux, comme des morceaux lover. C'est vraiment, il y a beaucoup de variété dans cet album, j'aime beaucoup. C'est pas un album que j'écouterai tous les jours, mais franchement, pour lui, c'est un très bon album. Je sais que ses supporters seront derrière lui pour cet album. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait. J'espère qu'il aura son disque d'or, car il le mérite. C'est un très bon album, comme ses précédents albums avec qui ont eu un peu moins de succès, hélas. Mais je vous le conseille. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description, que ce soit Spotify, Deezer
ou iTunes si vous voulez acheter le projet. En tout cas, je vous remercie d'avoir été fidèle à cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je rappelle que c'est simplement mon avis. Vous avez des avis différents. Je ne suis pas un professionnel, donc j'ai pu me tromper sur les descriptions de chaque chanson, chaque morceau, chaque son, tout simplement. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les différentes vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et supportez l'artiste, s'il vous plaît. C'était Vals pour la première écoute de Electronique Volume 2 de Ice MC. Je vous remercie. Bye tout le monde.